Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Comme vous voyez sur cette magnifique petite vidéo, j'ai des papis et des mamies citron vert à passer. Donc là, je crois qu'on a même atteint le stade final vers la gauche. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va partir sur une petite recette bien sympa de muffins citron vert noix de coco. Histoire de ne pas faire de gâchis quoi. Allez, à tout de suite. Recette on ne peut plus simple, donc on arrive tout de suite ici, je mélange les ingrédients secs que je vais vous énumérer de suite. Donc il faut mettre 90 g de farine, 25 g de coco râpé, la moitié d'un sachet de levure chimique, c'est-à-dire environ 5 ou 6 g, et 50 g de sucre. Donc déjà on mélange ces 4 ingrédients. Tadam! Bon, j'ai pas mis celui qui était en soins palliatifs, mais je l'ai laissé quand même mourir avec les copains. Retour sur notre petit plat. Donc, on va verser maintenant 50 ml de crème liquide de votre choix. Donc, ici, moi, c'est au lait de vache, mais vous pouvez très bien faire au lait de soja si vous consommez pas de lait de vache, ou il y a même lait d'amande, crème de riz, crème d'avoine, ce que vous voulez. Ou 5 centilitres, hein, donc 50 ml équivaut à 5 centilitres. Et on y va. À quoi on ajoute la régalade du beurre fondu, 50 g. Alors pareil, vous pouvez ajouter de la margarine végétale fondue tout simplement à la place. Et pour les farines, c'est pareil, si vous voulez changer de farine, faites comme bon vous semble, mais je pense que la farine de blé blanche est très bien pour cette recette. Voilà, je viens de casser 2 œufs et maintenant j'ajoute encore 5 centilitres ou plutôt 50 ml comme vous voulez de jus de citron vert fraîchement pressé. Bon, je vous laisse parce que je dois mélanger tout ça. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on va de suite aller mettre cette belle pâte dans les moules. Et voilà le résultat. J'ai complètement oublié de vous montrer quand je les ai mis dans le four. Donc en fait on les mettra une demi-heure à 180 en chaleur traditionnelle. Donc je vous souhaite un très bon appétit. Il y en a déjà un qui est parti. Je peux vous dire qu'ils sont délicieux. Vous allez vous régaler devant Netflix ce soir les copains. Ciao, à bientôt pour de nouvelles recettes succulentes.